Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui nous sommes partis pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs aujourd'hui je me suis lancé un petit défi à moi-même. Voilà, il faut savoir que j'aime bien faire des semi-marathons en course à pied. Et je voulais intégrer cette discipline sur le vélo. Mais bon, juste faire 21 km à vélo, ça c'est facile. Du coup c'est pour ça je me suis dit bah comment rendre la chose plus compliquée, on va dire. Et du coup j'ai eu la bonne idée, du moins je sais pas si elle est bonne, mais de faire 21 fois une montée. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je vais faire 21 fois une montée de 2 km qui se trouve en bas de chez moi. Allez, c'est parti. Juste avant je vais quand même vous parler du segment. Donc j'ai dit qu'il était long de 2 km. Bon, exactement, je crois qu'il fait 1 900 km pour environ un peu moins de 100 mètres de dénivelé. Donc au total ça va me faire quasiment 2000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Donc c'est sympa, petite étape de montagne sur 3 km à peu près. Aujourd'hui je ne sais pas si ça va être plus dur physiquement ou mentalement, peut-être les deux, mais bon, ça va le faire. Je vais y aller tranquille sur le début et ensuite on verra bien comment vont répondre les jambes. Allez, let's go! Allez, je suis dans la sixième montée de ce défi. Alors les cinq premières montées se sont plutôt bien déroulées. Les jambes sont bien là. Et durant ce défi, j'ai travaillé aussi ma faiblesse qui est la vélocité. J'ai beaucoup de mal à monter dans les tours, on va dire. Voilà, moi je tombe plus autour des 70 tours par minute. Et je n'ai pas l'impression de forcer. Du coup c'est pour ça là je vais essayer de me mettre à entre 85 et 90 pour vraiment faire tourner les jambes. The feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Ça y est, je suis dans la 11e montée, donc ça veut dire à mi-chemin du défi. Pour l'instant les jambes vont bien,
j'ai effectué les 10 premières montées en 2 heures, donc ce que j'avais prévu. Bon, par contre, j'ai vraiment l'air d'être un moulin, vu que je tourne à 90 tours par minute. C'est quand même compliqué quand on n'a pas l'habitude de beaucoup tourner les jambes. Bon allez, on lâche pas et on continue. Connaître quelque chose de très utile, c'est que sur ce segment il y a 436 lignes blanches. Je ne sais pas de ce que vous faites avec cette information, mais je la donne, on sait jamais. Non, sérieusement, c'est que ce segment il est très régulier, à environ 5%, donc c'est plutôt pas mal pour mes caractéristiques, on va dire. Plus quelqu'un de régulier. Allez, j'aborde cette 15e montée. Donc comme vous l'entendez, il y a pas mal de vent. Les jambes commencent à être dures et le mental aussi, il prend un coup là. Là, ça commence à me saouler de monter et descendre la même route. Mais bon, c'est le défi. Il me reste 6 montées à faire. Allez, je vous reprends dans cette 21e et ultime, dernière montée. Ben voilà, je l'aurais fait ce défi. Même si là, mentalement, c'est très compliqué. Physiquement aussi. Mais bon, je l'ai fait. Je me suis accroché. Donc voilà, cette sortie, ça m'aura fait quand même 93 km. C'est quand même pas mal. Sur 2 km de montée. Allez, passage sur la fin de ce segment, 21 fois, punaise, je l'aurais fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, pourquoi pas retenter le défi, mais en mode marathon, 42 fois. Bon, ça, on verra bien. Allez, moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.